Deux défaites et un gros coup, voici le bilan du week-end pour le centre de formation niçois. On débute avec la réserve, vaincue sur la pelouse d'Aubagne, sur la plus petite des marges. Au retour des vestiaires, un coup franc rapidement joué a permis aux Provençaux de s'adjuger les 3 points. Ce résultat fait les affaires d'Aubagne, deuxième, mais pas celle du Gym, qui redescend au 11e rang. Même score pour les U19, défait à Saint-Étienne. Les Verts ont trouvé la faille en début de match sur un corner direct. En manque d'efficacité, les Niçois ratent l'occasion de monter sur le podium. Toujours quatrième, ils pointent désormais à 5 longueurs des Stéphanois. La bonne nouvelle du week-end, ce sont les U17 qui l'ont apporté en allant gagner à Marseille 2-1. Lucas Marin n'a pas transformé son pénalty, mais Nice a fini par ouvrir les hostilités. Et de quelle manière, avec ce lob lointain signé Tom Louchet. L'OM a égalisé sur un contre. Et la délivrance est arrivée à 5 minutes du terme. D'une tête puissante, Rousseau a offert le derby aux Niçois. 12e match consécutif sans défaite pour les jeunes aiglons, 3e. Il y aura 2 matchs à la maison le week-end prochain avec les réceptions du FC Côte Bleue en National 3 et de Lavalette en U17. Les U19 seront quant à eux au repos.